Hi, I'm Kate Horgan, and I'm a student in Madame Sotar's Grade 10 French Immersion Socials class. This project will be contrasting modern day and Victorian values. I will be speaking in French, so if you don't understand, please enjoy the graphics. Thanks. Pendant les années 1800, quatre colonnes soutenaient la société: la modestie, la moralité, la réussite personnelle et le travail. La modestie pouvait être observée dans la longueur des jupes et des manches. Il s'y trouvait dans la conversation, la petite voix qui rappelait les gens de ne pas se vanter. La réussite personnelle pouvait être observée dans les vêtements et biens personnels des gens. Est-ce que le tissu de cette robe est le coton ou la soie? Est-ce que ce sont des vrais diamants ou des faux? La moralité parlait de la religion. Suivre le mot de Dieu était une partie essentielle de la vie. Le mot de Dieu a énormément influencé les règles de la société. Ses paroles encouragent plein de générosité envers les autres, mais aussi spécifient ce que quelqu'un peut ou ne peut pas faire. Les limitations étaient nombreuses et ont devenu étouffantes pour plusieurs. Le travail ne peut pas être observé en passant, mais il est là quand même. L'idée de supporter votre famille était peut-être la valeur la plus idéalisée à l'époque. Keira Knightley est une vedette, une femme célèbre, idéalisée par plusieurs. Le fait que nous, comme société, aimons cette femme reflète nos valeurs. Quelles sont les valeurs du monde occidental aujourd'hui? Quatre valeurs que Madame Knightley démontre, qui sont pertinentes à la population générale, sans la réussite personnelle, le travail, la frugalité et la beauté. Même si être une actrice n'est pas le travail le plus difficile, ce n'est certainement pas facile. Keira a joué des rôles dans des films comme Pirates of the Caribbean, comme Elizabeth Swann, Bend It Like Beckham, comme Jules Paxton, et The Imitation Game, comme Joan Clarke. Après avoir été dans des super productions mentionnées avant, ce n'est pas surprenant qu'elle a une valeur nette de 50 millions de dollars. Ce qui est surprenant, c'est le fait qu'elle a décidé de vivre sur 50 000 dollars par année, une fraction de ce qu'elle gagne. Mais une des choses que notre société apprécie le plus à propos des personnes en général, c'est leur beauté. Keira n'est aucune exception. Avec ses joues sculptées et ses belles lèvres, c'est facile de comprendre pourquoi elle est sur la couverture de tant de magazines. On sait que la société change au fil du temps. Quelquefois, des civilisations entières disparaissent. Mais certaines choses ne changent jamais, comme le fait que tout le monde veut réussir. Ceci est vrai dans chaque pays et dans n'importe quelle période de temps. Je pense que c'est des valeurs comme celles-ci qui sont éternelles et qui vont exister pour toujours. Merci pour écouter. Thank you.